Hello, hello les gens, comment ça va? Ziriririri. Allez, c'est parti pour finir. Biochoc. Un fait par contre, c'est que je suis low munitions. Je suis de retour. 1912. Avant qu'elle. Il n'est pas trop tard. Elisabeth! Ah, mais j'ai pas de munitions, de bâtard. Il faut que je rentre là-dedans. Peut-être qu'en éteignant ces machines d'en haut. Ce n'est pas votre vie.
empêcher de bouger. J'ai pas assez de cristaux maintenant. Ça, c'est la merde là. Je me fais massacre là. J'ai plus de munitions. Au secours. Mais t'es sérieux ? Je vais mourir en boucle, j'ai pas de munitions, faut que je chope juste des munitions. Mais pitié. Ouah, qu'est-ce qu'il fait là lui?
Je suis là, tout va bien. Attends, je vais arranger ça. Waouh, ok. Prête. Allez-y. C'est parti. Donnez-moi un coup de main. Quelqu'un m'a demandé de te donner ce truc. Qu'est-ce que c'est ? Lis-le. Votre vision de New York se réalise. Et c'est moi. C'est moi qui... Elle nous donne un moyen de passer Songbird. On va trouver un dirigeable et partir. Okay. Paris, Elisabeth. Souviens-toi, nous tu voulais visiter... Nous ne partons pas. Nous allons trouver Comstock. Pourquoi ? Vous avez vu ce qu'il a fait de moi. Je ne le laisserai pas faire. Et alors quoi ? Tu vas le tuer ? C'est maintenant que vous venez me faire la morale, Booker ? N'oubliez pas que je vous connais. Je ne vais pas te laisser le tuer. Vraiment, Booker ? Et qu'allez-vous faire pour m'en empêcher ? Rien du tout. Parce que je vais m'en charger pour toi. Très bien, allons trouver ce prophète. Le zeppelin de Comstock est dehors. Il l'appelle la main du prophète. Comment tu sais ça ? Je suis là depuis longtemps. Combien de temps ? Suffisamment. C'est verrouillé. J'espère que Comstock a eu ce qu'il voulait de moi. Il n'aura pas le temps d'en profiter. Tout cela n'a aucun sens. Je comprends absolument tous ces codes, à l'exception de ce symbole. C'est une cage. Est-ce qu'elle a expliqué quoi que ce soit ? Non. C'est la main du prophète. Le vaisseau de Comstock. Nous devons absolument monter à bord. Bouge pas. Passez votre chemin. Sois nous y allons. Tous les deux, soit j'y vais seul. Dans les deux cas, je dois savoir que c'est fait. Oh, Dewitt, acceptez la prophétie. Arrêtez de vous débattre. Vous êtes la pierre dans la fronde. Admirez toute la beauté du lancer et l'excitation de la descente à mesure que la gravité vous rapproche de l'inévitable. Voilà qui est fait. Je suis bien chaud d'avoir une mitraillette par contre. Il n'y a pas une par terre là. C'est quoi ce bruit ? Là ! Cachez-vous ! Sûrement des éclats ? Non, pas des éclats. Ce sont...
Maintenant. Compris. Regarde bien, Elisabeth. J'ai construit tout ça pour toi. Tu es mon héritière, mon sang. Et qu'est-ce que DeWitt a fait pour toi? Pour lui, tu ne seras jamais rien de plus qu'un moyen pour arriver à ses fins. Wow. Je vise juste, car mon œil est celui du prophète. Descendez, réjouissez-vous, car vous ne sortirez pas à la mort. Plus près, vous avez ne lâchez pas. Ok, ok, ok. Des munitions, prenez-les. Tenez vos cœurs. Génial. Ok, perfect. Ce vaisseau va retourner à la main du prophète. J'attends que vous m'en donniez l'ordre pour continuer. Attention, partons rejoindre la main du prophète. Thank you.
Vous croyez qu'on a la possibilité de racheter tous nos actes ? Racheter ? Je vois pas trop l'intérêt. Booker, est-ce que vous craignez Dieu ? Non. Mais je te crains, toi. Sur la gauche. Quelle gauche ? On va s'accrocher là. Notre gauche. Coucou chef, comment ça va ? Putain mais... Bah oui, bon, ça va bien, ça va bien. Ok, c'est bon. Regardez, des lignes d'aérotram partout sur le vaisseau. Elles sont couvertes de capsules pour patriotes motorisés. C'est de là qu'ils doivent sortir. On doit se débarrasser des capsules si on veut approcher. Comstock est au sommet du vaisseau. Allons-y. Vas-y maintenant. Regarde, DeWitt. Regarde-le. Il y a quelque chose chez lui. Allez, bon voyage. Tu comprendras bientôt qui. Ça s'appelle vraiment bon voyage, le truc. Parfait,
Allez, un petit trophée. Voilà. Non. Moi je veux des munitions. Un autre moyen de monter. Je t'ai déjà vu ça. Hey. J'ai vu les premières étincelles qui prépareront la Sodome inférieure à l'arrivée du Seigneur. Mais ce n'est pas moi qui vais mener à bien cette mission. C'est toi qui t'en chargeras, Elisabeth. C'est ta mission. La voie est dégagée, Booker. Suis-moi! À la gauche de notre agneau se tient le faux berger. Et à sa droite, les vestiges d'une force populée d'hérétiques. Lequel d'entre vous ne sacrifierait pas tout de bon cœur pour la voir accomplir son destin? Réjouissez-vous! Réjouissez-vous! La mort est douce! Je t'avais pas tué du coup. Pourquoi elles ne vont pas plus vite? J'en sais rien. Ah, parce qu'il y a un truc qui va arriver. Voilà. Oui, la barge, mais... Ah!
C'est bon. C'est peut-être moi qui vous terrasse, D8, mais vous n'êtes jamais loin de l'autodestruction. Ça sent la fin du jeu, non? Oui, 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 c'est la dernière ligne droite, là. Laisse-moi faire, je vais m'en occuper. Non, je viens avec vous. J'aurais pu le finir hier. Parce qu'il me restait 1h30 avant de partir au taf. Je me suis dit, ah, vu que c'est il restait les derniers chapitres et que ça va être baston, 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 je me suis dit, ça va prendre 1h30. Je sais, bah non, j'arrête. Et là, je reçois un message. Oh, bah vas-y, viens à 15h. Donc, au lieu de 14, je fais, ah bah merde. J'aurais pu le terminer. Oh non, pas ça, pas cette merde, je suis pas full munitions pour Il est où? Oh, il arrive. Bonjour, je suis coincé. Jafar! Voilà pour vous. C'est parfait. Parce que votre santé est très basse, j'inflige deux fois plus de dégâts. Ouais. Descends, Kong. Ok, j'avais pas vu qu'il y avait deux tourelles. C'est bon, j'ai compris. Je suis pas le bienvenu. Calme-toi, c'est bon. Tenez, de l'argent. Je m'en bats un peu les couilles des sous là. Cet aérotram mène à la cabine du prophète. Fait chier qu'il y ait... Attends, mais est-ce que je... Là, c'est juste pour améliorer à chaque fois les dégâts. Je peux au moins acheter des trucs. Putain, mais mec, y a plus aucune. Aucun distributeur qui me fait améliorer mes. Qui fait acheter des munitions quoi. Ah merde, j'avais pas vu ça. Vous êtes là pour payer vos dettes, faux bergers. Ouais, c'est le dernier de la quête, chef. Il n'y en a que trois. Certains péchés ne peuvent être absous. Nouvelle quête dimanche. Ma tour. Qu'est-ce que c'est? Le siphon? Ouais, je l'ai vu là.
t'entendais chanter là au-dessus. Et ta voix a mis la machine en marche. Et dans la tombe de ma mère, il y en avait un plus petit. Il me vidait. C'est pour ça que je ne peux pas... Peux pas quoi ? Quand j'étais petite, je pouvais non seulement ouvrir des failles, mais aussi en créer de nouvelles, qui menaient partout où je voulais. Mais dans la tour... Ne bouge pas. Je m'en occupe. Non, Booker. C'est entre lui et moi. Il essaie de te tendre un piège. Je n'ai pas le choix. Approche, mon enfant. Je ne mords pas. D'où, Jésus, comme tu as grandi. Dites-moi, qu'est-ce que je suis ? Regarde un peu dans quel état tu es. La touchez pas ! Elisabeth, tout ce que je fais, c'était pour te protéger. Protéger de quoi ? La progéniture du prophète montera sur le trône et déchaînera les flammes sur les hommes. Mais l'archange a fait une autre révélation. Méfie-toi, prophète, méfie-toi du faux berger Booker DeWitt, car il viendra s'interposer avec sa destinée. Pourquoi ? DeWitt, je suis un imbécile. J'ai envoyé des armées contre vous. Je vous ai noyé sous les flammes célestes. J'ai fait tout ça pour vous tenir éloigné, alors que je n'avais qu'à lui dire la vérité. Demande-lui, petite. Demande-lui ce qui est arrivé à ton doigt. Demande à DeWitt. Ne me touchez pas. Demande-lui. Demande au faux berger. Dites-lui. Dites-lui, faux berger. Dites-lui la vérité. C'est votre fille, salopard. Et vous l'avez abandonnée. Ça valait le coup, hein? Vous avez eu ce que vous voulez. Dites-moi. Voilà. C'est terminé. Non, c'est moi qui ai fait. Vous l'enfermez toute sa vie. Booker. Vous lui coupez le doigt et vous mettez ça sur le dos. Booker, arrêtez. Vous l'avez tué. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Hein? Dites-moi, qu'est-ce qu'il voulait dire pour mon doigt? J'en sais rien. Je pensais que c'était de naissance, je sais pas. Votre nez. Vous saignez. Hein? Elisabeth, je te le jure, je ne sais absolument pas de quoi il parlait. Si, vous savez. Il faut juste vous en souvenir. Non. Je vais te le prouver. On va détruire le siphon. La réponse est derrière une de tes portes. Il te suffit d'ouvrir. Détruire le siphon? C'est la tour tout entière, Booker. Comment voulez-vous qu'on fasse? Je sais pas, mais j'aurais bien une idée en route. Tidadidadidadi. Tidadidadi. Ah, Margot. Tu peux me crocheter ça. Ouais, mais toi, je te sens pas, ça va appeler Songbird direct, quoi. Une cage. Cage, qu'est-ce que... Bon, et maintenant... Qu'est-ce qu'elle essaie de nous dire? Une cage. Une cage, quelque chose m'échappe. Allons. Il disait savoir ce qu'il nous fallait. Booker. Il disait savoir ce qui nous attendait. Booker. Je n'ai vu venir tout ça, vieux schnock. Bon, et ça, tu l'avais vu, le prophète. On te laissera pas placer ta fille sur le trône. On va l'envoyer dans sa tombe. Fou, coucou. Chut, tout va bien.
m'aider. J'ai besoin que tu me protèges, tu es d'accord? Tu veux faire ça pour moi juste une dernière fois. Allez, 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 allez. Booker, il va nous aider. Utilisons-le contre cette flamme. Des roquettes! Comment ça, dirigez-le? Avouez des armes à contrôler Songbird pour attaquer vos ennemis. Visez une cible en surbrillance et maintenez carré pour attaquer. Plus la cible est grande, plus le temps de recharge sera long. Ah bah go. Allez hop, bim. Ah, je peux attaquer le sol. C'est quoi, on va laisser Attention à la barge. Où ça, la barge? La barge où? Mais elle est où, ta mère? Là! Vas-y! Attaque-moi ça! Munition, mais je veux pour celle-là. Tiens. Pas attaquer ces merdes là. Tu peux attaquer le Zeppelin, mon grand, ou pas? Mais please, mais je... Ah, où ça, là? Ouais, mais... meuf! Non? J'ai plus rien.
Pour la barge? Oh non, non, non. On va détruire les zeppelins. Hein. Allez, vas-y, vas-y. Mets-toi en surbrillance, Tamir. Putain, parce que ça attaque en masse. Oh putain, mais bon, le vaisseau il prend tellement cher là. Putain, mais je vois rien. Bon, ok. C'est trop l'anarchie là. Ils m'ont jamais laissé acheter des munitions juste avant le fight quoi. Bon, par contre j'ai le vaisseau qui est mal en point. Faudrait que j'arrive à attaquer ça là. Mais bon bah ouais mais. Il y a un autre zeppelin en plus. Ouais, il faut que je détruise les zeppelins, hein. Désolé. Je crois qu'on est bon. Je suis le roi du monde. Booker, par ici. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Regardez, vous pouvez utiliser Songbird pour tout détruire. Détruire le siphon. Et c'est ce que tu veux? C'est le seul moyen de connaître la vérité. Pour mon doigt, pour Comstock, pour tout. Boom. Non, pas du tout. Où il est? Où il est?
la rapture. De retour. Ce n'est rien. Je suis là. Laisse-toi aller. Très bien. Comme ça. Elisabeth. Je suis désolé. Long des golfes clairs. Mais il y en a d'autres. Par ici. Comment ça, c'est un passage? Où est-ce que tu vas? Venez. Allez, c'est par là. Ce que Comstock a dit sur ton doigt. Est-ce qu'on a une réponse? Est-ce que... C'est par là. Je me rappelle quand j'ai fait le jeu la première fois et je suis allé ici, j'avais zéro référence. Hein, vu que j'avais pas vu les deux autres. C'est là que nous devons aller. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Elisabeth? Ça veut dire quoi, cet impassage? Je vais vous montrer. Ça sent les ennuis, tout ça. Je préfère sous l'eau que dans le ciel, moi. Ah, j'aime bien dans le ciel. Mais c'est absurde. Voilà, il a dit, c'est absurde. Alors que dans le ciel, c'est logique, quoi. Le phare. Regardez. Des milliers de portes. En même temps. Mon Dieu, c'est magnifique. Quoi? Les étoiles? Allez, venez, c'est par là. Allez. Bah, tu t'attends deux secondes. J'arrive. Excusez-moi. Wow. Ah, mais moi j'ai complété. Ah, tu parles de ça. Pour faire habiter. Ah oui, je vais dire sous la flotte, parce que j'ai le vertige aussi, je pourrais pas dans le ciel. Mais je parle dans le jeu, je préfère Columbia que Rapture. Après, je pourrais pas l'autre, parce que, genre, je sais pas, il y a un souci, crever noyé, non merci, quoi. Tu vas essayer de l'ouvrir? Ça ne marche pas. C'est pas juste. Je pensais qu'une fois ici, je pourrais tout contrôler. Je pensais... Qu'est-ce que c'est? C'est une clé. Et d'où elle sort? Elle a toujours été là, mais... Je ne pouvais pas la voir. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Des portes. Pas des étoiles. Des portes qui mènent où? Elles mènent partout. Il ne nous reste qu'à choisir. Son doigt est une clé? Je pense pas, non? Elle a sorti de son doigt? J'ai pas vu. D'où ils sortent tous ces phares? Qu'est-ce qu'on fait? Qui? Ce sont des millions de millions de mondes. Tous différents. Et tous semblables. Des constantes et des variables. Comment? Il y a toujours un phare. Il y a toujours un homme. Et toujours une ville. Comment tu sais tout ça? Je les vois derrière les portes. Du coup, il y a un million de Bioshock. Moi, Columbia, Songbird. Mais parfois, quelque chose change. Des constantes et des variables. Oui. «
Regardez. Mais c'est nous. Pas tout à fait. Le voyage est différent, pas la destination. Tout commence toujours par un phare. Je ne comprends pas. Ce n'est pas très grave. Ils ont vendu combien ? Ce serait drôle de se dire que chaque lumière est un jeu vendu. Dans le passé, dans le futur. Il y a tellement de choix possibles. Bon, ça a quand même bien marché, BioShock, non ? Au même endroit. Au commencement. Personne ne me dit où je dois aller. Booker, c'est trop tard pour ça. On court là-bas. On va où maintenant ? Là-bas ? Je sais pas, moi. Attends une minute. Je connais cet endroit. J'étais là, c'était il y a une vingtaine d'années, juste après Wounded Knee. J'étais à la recherche de... Allez, mon fils, le temps presse. Que faisiez-vous là ? Êtes-vous prêt à laisser votre passé derrière vous ? Êtes-vous prêt à être purifié ? Êtes-vous prêt à renaître une nouvelle foi ? Prenez ma main. Non. Oh, les ombres. Non, je veux pas. Mais c'est déjà trop tard, n'est-ce pas ? Non, je veux pas être baptisé. Y'a quoi là ? Y'a rien ? Je visite, hein. Ah, les murs invisibles, non. Êtes-vous prêt à renaître ? Je suis prêt. Vous repentez-vous ? Oui. Regrettez-vous ? Votre cruauté. Oui. Voulez-vous repartir du début, abandonner votre... Ah non, non, pas du début, j'ai fini là. Renaître dans le sang de l'agneau. Jésus, purifie cet homme. Père, non. Fais-le renaître. Attendez, stop. Seigneur, arrêtez. Qu'est-ce que vous faites, non. Laissez-moi. Stop. Vous ne vous êtes pas laissé. Tu crois qu'une simple baignade suffirait à effacer mon passé ? Sortons vite d'ici. Les portes dont tu parles, ce sont des failles, pas vrai ? Alors, ouvre-en une. Ouvre-en une vers Paris, je refuse de rester ici. On doit d'abord trouver Comstock. Comstock est mort. Non. Il était là. Venez. Et pour mes dettes. Ramenez la fille, et nous effaçons la dette. C'est l'homme qui m'a embauché pour te retrouver. Vraiment ? Oui. La fille contre la dette. Attends, attends. Non, 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 ça va pas. Qu'est-ce que c'est ? Il y avait pas de... Ah ! Il y avait pas de bébé. Je m'en souviens. Non, il y avait pas de bébé. Et si c'était le cas, jamais j'aurais accepté de le donner à ce type. Booker, c'est le seul moyen de quitter cette pièce. DeWitt, le temps presse. Ramenez la fille et nous effacerons la dette. Allez-y. Non. Vous pouvez attendre tant que vous voulez. Vous finirez par lui donner ce qu'il veut. Mais comment tu sais tout ça ? Je vois toutes les portes. Et tout ce que cachent ces portes. Et derrière l'une d'entre elles, je le vois, lui. Comstock. J'ai pas vraiment le choix. La dette est effacée. Comstock a purifié tous vos péchés. Ramenez la fille pour effacer vos dettes. Il y avait pas de bébé. Le marché, c'était d'aller te chercher à Columbia. Booker, vous saignez. Non. Je sais très bien ce dont je me souviens. Nous l'avons chamboulé.
Et je doute fort que la suite n'arrange son état. Allez. Qu'est-ce qu'on fait ici? Comme Stock est mort, on n'a plus qu'à reprendre le cours de nos vies, pas besoin de... Comme Chen-Lin, vous voulez dire? Comme Madame Comstock? Non. Il est en vie, dans des millions, de millions de mondes. La mort du prophète ne résout pas le problème. Il ne sera résolu que si nous l'empêchons de ne jamais voir le jour. Hey, ça marche plus, vous entendez? Ça ne marche plus! Rendez-la-moi! Rendez-la! Tu es folle! Rendez-la-moi, sale enfoiré! Non! Non, non, non! Non! Rendez-moi ma fille! C'est là que le doigt il va, schlack! Désolée, Anna. Anna, je suis désolée. Elle est partie, Booker. Anna, vous avez partagé cette pièce avec vos regrets pendant 20 ans. Jusqu'à ce qu'un homme vienne vous voir, vous offre une chance de rédemption. Une chance de nous réunir. Oh. Oh. Je t'avais dit que ça marcherait. Nous savons déjà que ça marche. Mais lui, le sait-il? Anna. Anna. Désolé, Anna. Tu penses qu'il s'est marqué au fer rouge en signe de pénitence? Pourquoi faire? Ce qui est fait est fait. Ce qui est fait sera fait. Cette marque est un peu son cilice, comme lui et le nôtre. Je me souviens d'un 36-15 juillet où il disait que le twist scénaristique de fin était tout moisi. Booker, debout. Booker, réveillez-vous. C'est là que tout a commencé. Je t'ai vendu. À votre décharge, vous avez tenté de faire machine arrière. Tout est de la faute de Comstock. Si je revenais en arrière, que je le tuais avant que tout ça n'arrive. Ça y est, tout se met en place. Mais comment savoir à quelle date remonter? Je vois pas d'autre solution. Remonter à sa naissance et étouffer ce salopard dans son berceau. Vraiment, ce que vous voulez. J'ai pas le choix. C'est le seul moyen de réparer ce que je t'ai fait. Booker DeWitt, êtes-vous prêt à renaître une nouvelle fois? Pourquoi on est revenu ici? Ce n'est pas le même endroit, Booker. Bien sûr que si, je me souviens. Attends. Êtes-vous prêt à laisser votre passé derrière vous? À repartir du qui début es-tu? Et à renaître. Vous avez refusé, mais pas dans toutes les règles. Vous avez accepté. Vous et vous renaissez sous une autre identité. Comstock. Il faut qu'on arrête tout ça. Ne jamais commencer. Pas uniquement dans ce monde, mais dans tous nos mondes. Je l'ai étouffé au berceau. Purifie cet homme. Fais-le renaître avant qu'il dans ne le sang de l'agneau. Avant qu'il ne renaisse. Quel sera votre nom, mon fils? Il est Zachary Comstock. Il est Booker DeWitt. Je suis... les deux. Ah.
Finito! Aspo GG. Ouf. Anna? Anna, c'est toi? C'est vrai qu'il y avait les DLC. Il y a quoi dedans? Ah ouais. 3 DLC. Bon, peut-être que je les ferai un jour hors stream pour ma culture. Bon. On va arrêter là et dimanche on lancera la prochaine quête. Je posterai sur Discord. Ok. Je vous fais des bisous et je vous dis à dimanche pour la nouvelle quête. Ciao.